Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une voix aiguë sur FL Studio. Donc pour débuter, il faudra aller sur FL Studio. Pour cet exemple, j'ai pris deux bandes son préfaites que j'ai laissées au naturel pour pouvoir voir la différence. Donc voici la première. La voix est déjà assez aiguë, mais nous allons voir également le résultat du filtre avec une voix plus grave. Voici la voix de base. Donc il faudra effectuer un double clic sur votre piste audio, puis dans l'onglet Time Stretching juste ici, il va falloir changer le pitch. Plus vous mettez le pitch à droite, plus la voix sera aiguë, et plus vous mettez le pitch à gauche, plus la voix sera grave. Je vais par exemple ici mettre le pitch au maximum pour avoir la voix la plus aiguë possible. Quand cela est fait, je clique sur la croix et je vais faire pareil avec mon autre piste audio. Je mets le pitch au maximum vers la droite. Et donc voici les résultats de la voix aiguë que j'ai obtenue. Évidemment, j'ai mis les voix au maximum, mais si vous jouez un tout petit peu avec votre curseur, vous pourrez constater qu'il y a des nuances entre chaque degré de pitch. Et donc en fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous pouvez plus ou moins mettre l'intensité de celui-ci. Et si vous voulez savoir comment ajouter de l'écho sur votre bande son, nous avons déjà fait une vidéo et son lien se trouve dans la description. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.